zankuba tangwana zang yaba piu zankuba tangwana zang yaba bemukia tone njonga kondali bemwane tone njonga nundali ambijirimono kuna datuni ambijirimono bonsoir chérie. Est-ce que c'est un bonsoir que je mange? Je suis assis ici depuis 30 minutes à crever de faim. Mais Bouba, je reviens du camp. Je m'en fous. Tu es d'abord ma femme. Et à 20h précise, le repas doit être prêt et servi à cette table. Qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, je vais te faire ton repas tout de suite. Ça va ma chérie, tu vas bien? Merci pour le soutien au mariage de ma fille Ayane. Vraiment un grand merci. Bouba, c'est un garçon très gentil. Il est au camp là-bas avec elle. Très calme, très respectueux. Ah, j'ai eu de la chance, hein. Ne quitte pas. Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes madame Ramatou Kam? Oui. Ah, d'accord, je suis ici de justice. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Lisez-la. Je te rappelle, hein. Raphaël! Carole! Oui. Un huissier de justice m'a remis ça. C'est pas possible. Karine nous convoque au tribunal pour faux testament. Elle a osé. Allons immédiatement voir le procureur. Non, moi je pense qu'il faut rien faire jusqu'au procès. Tu en es sûr, Raphaël? Oui. Et puis elle ne sait pas que le vrai testament est chez le procureur. Laissez-moi faire, je gère ça. D'accord. Mais c'est quoi ce bruit? Je crois qu'il va pleuvoir. Bonjour. Ça va? Oui. Donne-moi l'eau, s'il te plaît. Tu ne pars pas au camp aujourd'hui? Non. J'ai demandé une permission pour régler un problème de famille. Te change avant de sortir. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Viens t'asseoir. Où est passé tout le monde? Ils sont sortis, mais Lily est là. Ah. Et quelles sont les nouvelles ici? Les choses se compliquent concernant notre héritage. Karou nous convoque en justice pour faux testament. Comment ça? Mais elle ne peut pas. Elle dit avoir sa possession le vrai testament. Et comment vous comptez gérer ça? Raphaël dit qu'il va s'en occuper, donc on attend. Et ton foyer, ça va? Oui, Bouba est parfait. J'espère qu'il te traite bien. Maman, ne t'inquiète pas. Bon, je vais dire bonjour à Lily. D'accord. Bien.
Oui, ça va. Tout va bien ici? Oui, tout va bien. Ayane. Oui. Tanti Carole m'a dit que tu ne veux pas retourner à la maison, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu sais qu'en faisant ça, tu perds ton héritage? Oui, je le sais. Je ne vais pas quitter mon mari. J'ai toujours pensé que tu étais la plus difficile de la maison. Mais je me rends compte que tu es la plus raisonnable. Ce n'est pas ce que papa voulait. Mais je suis sûre qu'il sera fier de ta décision. Merci, Lily. Au moins, toi, tu me soutiens. Tu sais, Ayane, le testament dit que si tu échoues, ta part me revient. Mais ne t'inquiète pas, je te la remettrai. Quoi? Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Merci, Lily. Ah, mais avant tout ça, tu dois bien sûr devenir lieutenant. Ok. Dieu reçu mon général. Tu as grandi, hein? Et ton mari? Il va bien. C'est pas difficile? Non, ça va. Bonne chance. Merci. Bonsoir. Ayane, qu'est-ce que moi je te dis ce matin quand tu sortais concernant ta tenue? Ayane, mais tu t'es pas dit de décharger avant de sortir? Hein? Pourquoi je t'ai pas décharger avant de sortir? Tu te fous de moi? Je te donne 2 secondes pour t'échanger. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Tu es dans le quartier? Non, je suis venue voir une amie. Ah, ok. Moi, c'est Tidiane. Sadia. Enchanté. Ravi. Sinon, j'habite juste ici. Ah, ok. Tu pourras peut-être passer un jour pour qu'on fasse plus connaissance. D'accord. J'oubliais, tu es très belle. Merci du compliment. Tu rentres? Oui. Ah, je peux te déposer si tu veux. Non, merci. Je peux avoir ton numéro? Non, tu m'as montré chez toi. Ok, je te laisse alors. Ok. Bonne journée. T'as pas la main. Ma très chère Lily, il n'y a qu'un seul pas entre la folie et la raison. Tu n'as jamais connu mon nom. Eh bien, le voilà. Samira Kam, sœur de Sidiki Kam, ton père, qui n'a jamais connu mon existence à cause de notre folle de mère. Prends soin de toi et de ta famille. Mon travail est fini ici, mais un jour, on se retrouvera. Adieu. La tante Samira Kam, un nom que j'ai décidé de porter.
Bonjour, Jo. Bonjour, Ayane. Que fais-tu ici? Ah, Jo, s'il te plaît. Je suis venue voir ta santé. Ma santé va mieux. Je t'avais dit que je ne veux plus te voir ici, oui ou non. Pardon, Ayane. Il faut partir. Je ne veux plus de problème. Hein. D'accord. Comme tu me chasses, je suis partie. Allez, bonne journée. Ah, tiens. Je l'ai ramassé devant ta porte. Il est à toi? Bien sûr, oui. Je l'ai perdu le jour de mon agression. Mais je ne comprends rien. Je sors tout le jour, je rentre tout le jour, je ne vois pas ça. Et c'est aujourd'hui, toi, tu viens ramasser ça. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va? Oui. C'est toi? Merci. Alors, ça va? Oui, ça va. Ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Maman. Je te présente Sadia. Enchantée. Merci, madame. Ouais. À quelle nouvelle? Non, il n'y a pas de nouvelles. Ah. Y a pas de nouvelles. Ok. Je te sers quelque chose à boire. Non, merci. Ça va. Ok. Au fait, tu fréquentes où? Je suis au collège Sainte-Alette. Ah, ok. Oui. Tu fais quelle classe? La première. Ah, ok. Les cours, ça va? Oui, ça va. Pas trop dur? Non. Et toi, tes cours? Ouais, ça va. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, prenez place. Merci. Oui. Je suis Raphaël Kam et ma mère Amatou Kam. Enchantée, madame. Enchantée. Au fait, nous venons prendre conseil auprès de vous. Oui. Notre père en mourant nous a laissé un testament et le notaire auprès duquel il a enregistré le conteste. Et sa fille et lui nous ont convoqués au tribunal pour faux testament. Et vous avez le vrai testament en votre possession? Le testament a été enregistré par un autre notaire. Le procureur est témoin. Dans ce cas, il faudra que vous vous fassiez représenter par un avocat auprès du tribunal. Même si le testament a été enregistré par un autre notaire, ce sera à vous de prouver que votre testament est le vrai. Maître, pouvez-vous nous représenter? Bon, il faudra m'envoyer un dossier et après étude, je vous fais signe. Allez, bonne journée. Au revoir. Oui. La fille. Oui, Lily. Qu'est-ce qu'il y a? La folle est partie. Quelle folle? Celle qui était à côté de la maison. Et qu'est-ce que toi tu as à voir avec cette folle? C'était mon amie. Quoi? Lily. Comment est-ce que tu peux fréquenter des gens pareils? C'est votre tante. Il faut qu'on la retrouve. Non, Lily. Elle est partie et c'est mieux ainsi. Même si elle est ta tante, elle reste quand même folle. Et ces genres de personnes peuvent être dangereux. Ma fille, j'ai perdu mon père et ma mère n'est pas là. C'était ma seule amie. Allez, viens là. Calme-toi, d'accord? Demain, je vais t'aider à la chercher. Tu es sûre que tu pourras le faire dans ton état? Oui. Carole m'a accordé mon congé de maternité et je m'ennuie à la maison. Donc demain, on ira la chercher. Merci, ma fille. Reviens. Maintenant, tu vas aller te coucher. Et demain, on va aller la chercher. Ok. Allez, tiens.
Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, Lily. Excusez-moi, vous n'avez pas vu Lily? Je l'ai cherchée partout dans la maison. Non, on ne l'a pas vue. C'est bizarre. Je ne sais pas où Nafi aussi est passée. C'est inquiétant. À cette heure-ci, j'espère qu'elle n'est pas retournée dans l'ancienne maison de son père. Je l'espère aussi, hein. Bon, ne nous inquiétons pas d'abord. Elles doivent sûrement être ensemble. Tu crois? Lily, je suis fatiguée. Rentrons maintenant. Il se fait tard. En plus, les autres risquent de s'inquiéter. Allez, viens. La voilà. Pourquoi tu es partie? Pourquoi? Bon, je t'amène à la maison. S'il te plaît, viens, je t'amène à la maison. S'il vous plaît, venez. Rentrons. Mais Lily, où étais-tu? Je t'ai cherché partout, j'étais morte d'inquiétude. Nafi. Comment est-ce que tu as pu rester dehors tard dans ton état? Raphaël est allé vous chercher. On est allé la chercher. Qui? Il n'y a qu'un seul pas entre la folie et la raison. Tu n'as jamais connu mon nom. Eh bien, le voilà. Samira Kam, sœur de Sidiki Kam, ton père qui n'a jamais connu mon existence, à cause de notre folle de mère. Prends soin de toi et de ta famille. Mon travail est fini ici. Mais un jour, on se retrouvera. Où est-ce qu'elle est? Dehors. C'est une folle. Amenez-la à l'intérieur. On va la nettoyer. D'accord. Allez, lève-toi. Thank you.
Mais Ramatou, comment ça se fait que tu n'aies jamais su que Sidiki avait une sœur? Je ne savais pas. Ça doit être la fille de mamie lorsqu'elle a quitté le village. Il y avait des rumeurs à ce sujet.